C'est Spanishmoon qui l'a présenté par ce produit de Uvarina du granit, présenté par Pierre-Olivier Robert. L'élevage du granit, qui a donné donc son suffixe à toute la production de M. Pierre-Olivier Robert, installé à Bécon, les granites, commune qui est bien sûr une plaque de granit, dans le Maine-et-Loire. Une souche du centre, également, une souche plutôt, enfin, originellement du centre, mais une souche qui s'est essentiellement illustré dans la Manche avec Cuité, un fils de Podor qui a gagné le Grand Cross de Cran, monté par Pascal Marsac à l'époque sous l'entraînement de Gilles Chénian. Il a aujourd'hui, enfin représenté en tout cas par son fils Victor. Et plus près de nous, il y a eu aussi Nayade du Misselot. Nayade du Misselot, donc là c'est un fils de Don Alco, né dans le centre, vainqueur de la Corral Cup, c'est-à-dire un groupe 3 sur l'hippodrome de Cheltenham, un groupe 3 qui se déroule pendant le festival de Cheltenham. Alors j'en profite pour saluer nos amis anglais et irlandais qui seront très présents ici. Ils étaient déjà une trentaine à la soirée à Carapate hier soir. And it's a good occasion to welcome all the Irish and English friends who were yesterday in very good form at the Carapate discotheque and who are there to look at the horses, to look at the foals, and including this one during the Cheltenham Festival. Et c'est la vieille souche du crack imposant, mais pas le imposant qui a gagné l'enjeu de la challenge, le imposant d'autrefois, aux temps anciens, le crack de René Couetil, le imposant, car c'est un, voilà, de la génération d'avant, qui avait tout gagné sous la selle, et l'entraînement d'ailleurs,